Leg day, le jour des jambes, et on a Roxane. Comment ça va, Roxane? Ça va? Bien. Oui. Qui va se frotter à la safety squat bar. On va voir comment elle se débrouille avec ça. Donc ça, c'est la troisième série qu'on fait. On a fait barre à vide 25, et là, on a 35 de chaque. Bien sûr, on n'utilise pas tout de suite les charges qu'on utilise habituellement. Of course, we don't use the same weight that we use usually. Une, deux. So, the advantage of the squat bar is you can have your back way more straight. T'es pas obligé d'aller trop bas, Roxane, ok? Garde bien ton dos droit. Donc, comme j'ai dit, avec ça, tu peux garder ton dos bien, bien droit. Et comme on peut voir, elle se débrouille comme une pro, quoi. On a combien? 7. Ok, encore 3. Une rep. Kerak. Wow. C'est bien. C'est confortable. Oui. Avec des grosses mousses ici, oui. T'as vu? Beaucoup. Beaucoup mieux que là-haut bas. C'est pour l'hiver, c'est parce qu'il fait froid, on a des oh, grosses mousses comme ça. Ça fait le coup. Ou un chapeau. Fais voir le chapeau. Oui, exact. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai investi dans cette barre, dans l'occurrence pour Roxane. La plupart de mes clients ont des problèmes soit sur les genoux, les épaules, n'importe. Et pour Roxane, c'est ça, son épaule, elle avait un problème récurrent, l'épaule. Et donc là, on n'a pas besoin de tirer, d'avoir la barre en arrière. Voilà ça, je veux dire. On n'a pas besoin d'être comme ça, l'épaule qui tire trop en arrière. Et si on manque un peu de souplesse ou si on a une vieille blessure à l'épaule, c'est pas bon. En tout cas, maintenant, avec cette barre-là, bah, on a les mains devant et c'est plus confortable. Much more comfortable, less stress on the shoulder.